télévision nationale d'Haïti. On l'autre fois encore, nous contents pour nous rentrer la caillou. C'est voilà, c'est cérémonie, bon, pas cérémonie plutôt, mais c'est élection pour mettre un président dans tête conseil présidentiel là, qui a organisé matin hein, dans Villa d'accueil là, dans Musso. C'est là nous présents et nous en direct pour nous permettre au vivre moment ça sous télévision nationale d'Haïti. Voilà, dans le moment où on a parlé là, c'est rentrer conseiller présidentiel. Yo. Voilà, c'est rentrer conseiller présidentiel qui a fait dans le moment où on a parlé là. Voilà, les conseillers Edgar Leblanc, fils, ancien sénateur de la République, ancien sénateur Louis-Gérald Gilles, ancien candidat à la présidence architecte Leslie Voltaire, qui est même déjà présent. Nous remarquons tout présence Emmanuel Vertiller, représentant. Parti politique Petite Dessaline dans le conseil présidentiel transition 1. Nous remarquons présence tout ambassadeur Smith Augustin. Nous remarquons présence représentant secteur privé des affaires là, dans le conseil présidentiel là, Laurent Saint-Cyr. Nous remarquons présence économiste Fritz Alphonse Jean, qui est même tout présent justement pour que nous capables suivre le processus électoral pour élire un président dans tête conseil présidentiel transition. Et là, nous remarquons tout présence Régine Abraham, représentant société civile là, comme observateur dans conseil présidentiel transition. Moi-même, Kenley Ville, c'est à Coordonné d'Orléans, nous présents pour nous permettre de vivre l'activité. Et là, voilà, pasteur Frinel Joseph qui prend la parole justement pour lancer le processus électoral là. Non, moi, on a parlé là, amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti, nous invite au suivre. Merci d'avoir attendu tout ce temps. Nous excusons infiniment pour ce retard. Mais c'était pour la bonne cause. C'était pour la bonne cause. Ce matin, on devrait donc avoir des élections qui étaient prévues pour 10 heures. Mais au cours des discussions qu'on a eues ce matin, surtout avec les sept membres votants du Conseil présidentiel, une majorité a été dégagée. Et cette majorité est constituée de Edgar Leblanc-Fils, Smith Augustin, Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Bélizer, Emmanuel Vertiller, je suis désolé, Emmanuel Vertiller. Et une entente autour de Edgar Leblanc-Fils a été trouvé pour que Edgar Leblanc-Fils soit donc le président du Conseil. Cependant, il faut surtout signaler que cet accord n'engage pas tous les membres du Conseil, engage exactement et uniquement cette majorité. Il faut aussi préciser dans une note qui a été parvenu au bureau électoral constitué de moi-même, votre serviteur, Frinel Joseph, du groupe de la société civile, et Régine Abraham de Rennes. Selon cet accord, la majorité aussi a profité pour faire choix ou bien pour à proposer un premier ministre. Il s'agit donc de Fritz Bélizer. Vous en aurez sans doute beaucoup plus d'explications après, et surtout peut-être avec les différents membres qui constituent cette majorité. Donc, pas besoin donc d'avoir des élections. Ce matin, on a placé les urnes, l'isoloir pour rien, mais surtout ce qui est important, c'est que la majorité a été bien dégagée et c'est ce qui a été fait. Encore une fois, nous nous excusons, mais puisque ça peut arriver qu'il y a changement de plan, mais c'est surtout important à ce que les changements de plan donnent les mêmes résultats. Et les résultats, c'est que, mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui, mardi 30 avril, un président bien connu au sein du Conseil présidentiel qui va coordonner le Conseil selon l'accord qui a été trouvé entre les différentes entités parties prenantes des secteurs. Mesdames et messieurs, je vous présente donc M. Edgar Leblanc-Fils, président du Conseil transitionnel. Merci beaucoup. Thank you.
Conseiller Funel Joseph, président du Conseil électoral qui devait organiser les élections pour la présidence du Conseil de ce matin. Madame Régine Abraham, assistant du président du Conseil. Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition. Messieurs, mesdames, distingués invités à cette cérémonie de ce matin. La presse en général. Depuis 11 mars, avec médiation de la CARICOM et avec la CARICOM, la communauté internationale, OK, accompagne les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les acteurs du secteur privé des affaires, des personnalités pour qu'on arrive à un consensus permettant de sortir de crise profonde qu'a marqué payant depuis particulièrement l'assassinat du président de la République. Nous sommes en situation totale d'exception. Et depuis ce 11 mars, des discussions, des négociations, des concessions entre divers acteurs conduit à mettre en place ce conseil de transition et jeudi dernier, le conseil a prêté serment. À partir de cette prestation de serment, il était gagné d'abord pour choisir le président du conseil, ensuite pour lui lancer tout le processus passant par invitation aux différents secteurs pour proposer et faire choix du Premier ministre, mettre en place un gouvernement et engager les différentes décisions importantes qu'il doit prendre pour que nous arrivions à des élections transparentes, crédibles, non contestées et qui permettent que le 7 février 2000, et qui permettent à partir de réformes constitutionnelles et autres à entreprendre, le 7 février 2026, conseil-là fini mandat et faire une passation de manière à ce que nous engagions définitivement dans une période de stabilité pour payant et puis de relance de l'économie, de relance des activités totales à partir d'institutions de l'État et d'institutions de la société qui chita sur de nouvelles bases. Nous croyons le conseil-là. Premier bagage qui est important pour nous, c'est cohésion entre nous. Le bagage qui est important pour nous, c'est cette volonté, cette détermination à dépasser les chapelles, dépasser les conflits et arriver par consensus et des fois, à partir de discussions, de négociations et de choix faits pour de grandes décisions importantes qui viennent pour prendre d'abord en matière de sécurité. Libérer le pays de l'action de gens qui fait souffrir tellement de gens, qui fait tellement de victimes. Et ce matin, c'est publiquement que nous reconnaissons souffrance toute victime, tout sac déplacé, toute jeune fille, femme qui subit acte de cadéjac, tout le monde qui est caillou boulé, tout entrepreneur qui perdu entreprise. C'est responsabilité grande que conseil la guerre pour le mener la tête faite en cherchant le consensus maximum à chaque fois, mais en étant déterminé pour nous arriver en 21 mois respecter mandat ça. Matin, nous prenons 2 heures de temps de retard avant que nous venions devant le public là pour faire cet exercice de discussion, de négociation, de concession qui a amené à, au lieu de un vote de choix par ou majorité, en d'un conseil là de ça. L'acceptation de cet exercice prouvait que nous sommes capables. Nous sommes capables de discuter, négocier, faire concession et puis arriver à des résultats. C'est sous base de ça seulement que nous, dans le conseil là, nous croyons que nous sommes capables de porter résultats et remplir à plein notre mission. Je vous remercie tous les membres du conseil, je vous remercie les organisations politiques, les organisations de la société civile, parties prenantes de la crise et des négociations qui ont amené à la formation de ce conseil. Et leur présence ici, encouragez-nous. Et par-delà, à travers la presse, remercier
tout peuple haïtien qui a les yeux braqués sur nous, qui attendent depuis longtemps et qui t'a même trouvé que nous t'es en retard. Nous t'es dû aller plus vite. C'est normal qu'ils sont pressés parce qu'ils ont souffert. Nous ne pas aller si vite parce que nous voulons chaque pas de fait nous consolider et nous assurer que l'autre pas, c'est pour un bon pas. Et c'est peut-être ça nous faisons dans le cadre de discussion, de négociation, de concession et de consensus. Mesdames, Messieurs, matin, c'est un pas définitif qui met entre nous dans le processus pour arriver à sortir de crise. Nous gagnons rapidement au Conseil pour que pour nous prendre des dispositions, pour que gagne un gouvernement qui mette en place, ensuite gagne des décisions importantes en matière de sécurité qui pour prendre. Est-ce pourquoi? Hier, pendant toute la journée, nous rencontrer le haut commandement de l'armée, nous rencontrer le commandement élargi de la police, nous rencontrer avec les unités particulières chargées de la sécurité du palais national et des conseillers, de manière à regarder qui est en situation et aujourd'hui, qui ça qui manquait, qui ça y a besoin pour que même gens nous déterminés et nous connaissons que déterminés et que le support venu, il est capable d'approcher question insécurité et bien les résultats. Selon discussion que nous faisons, entente que nous faisons pour que nous portions besoin en matériel, besoin en équipement qui ont besoin et surtout besoin en renforcement moral des troupes qui sont souterraines, okay, nous croyons que je vous promets pour ça. Que dans les prochains jours, prochaines semaines, et que il y a déjà des signes qui baillent en matière de sécurité dans le pays. Nous très contents aujourd'hui pour nous commencer sous la base de discussion, sous la base de concession et de consensus à cette cérémonie de désignation du président du Conseil qui gagnait particulièrement pour rôle de coordonner l'activité. Il est un coordonnateur et ça fait que tout conseiller, partie prenante de toute décision, et toute décision doit être faite de la transparence. Et c'est ça qui a fait la crédibilité du Conseil. Mesdames, Messieurs, merci. C'est une prise de parole sur le tas. OK. Alors, on ne va pas prêter davantage. Merci en pile. Merci beaucoup. Profitons donc d'annoncer à tous qu'une réunion va se tenir tout à l'heure entre les différents membres votants du Conseil et aussi avec la facilitation des membres non votants pour être certain que l'accord trouvé par la majorité respecte en tout point et ne diverge pas avec l'accord maire du 3 avril. Merci beaucoup tout le monde, merci d'avoir été présent et merci encore pour d'avoir patienté. Merci. Que Dieu bénisse et que Dieu bénisse Haïti. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti. Nous sommes en direct dans la villa d'accueil, là, dans la salle qui était justement disposée pour l'organisation.